Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve encore une fois dans le Nether, oui, excusez-moi de faire plusieurs épisodes d'affilée dans le Nether, mais j'ai pas trop le choix parce que bah, c'est comme ça. Bref, donc aujourd'hui on va commencer la Furnace du Nether qui est un système de Minecraft Zephyr, donc vous voyez que j'ai creusé un trou de... Enfin, assez grand quand même, on va dire. Et il y a un beau lac de lave devant nous. Donc de quoi prendre plein de lave. Donc pour faire cette furnace, il nous faudra 9 poudres de redstone, 4 comparators, 3 repeaters, 12 torches de redstone et 2 rails, 2 power rails, un dispenser, 10 droppers. Un minecart hopper, excusez-moi, 21 hopper, 9, 2 fours, excusez-moi, 6 chests et un levier, et ensuite le nombre que vous voulez de buckets. Donc, ce système, je vous montre les items qu'il me faut, excusez-moi, je vais juste me mettre en peaceful. Je vous montre le nombre d'items qu'il me faut et après je le construis directement. Donc, on va se retrouver directement pour la suite. Allez, à tout de suite. Donc, me voilà rendu avec ce système après un bon bout de temps. De comment ça s'appelle? De travail à regarder un tuto de Minecraft Zephyr qui a fait cette usine. Donc par exemple, si là, ici, on doit mettre en fait ici nos trucs à cuire. Ici, on va mettre notre or. Notre or va être, bah, je vous explique vite fait, mais si vous voulez la reproduire, il faudra regarder le tuto à Minecraft Zephyr. Va être livré par ce petit Minecraft Hopper dans les deux chests différents. Donc vous pouvez voir qu'il y a deux chests pour Minecraft Hopper, enfin pour Minecart Hopper. Nos deux seaux de lave, enfin nos quatre seaux de lave, ils sont partis vers... Attendez. Je vais finir par trouver. Vers ce chest. Ce chest les envoie bah directement. Attendez, pourquoi ça? Ah voilà. Je sais pas pourquoi ça serait parti pas. Il faut peut-être plus de chests remplis. Ou un truc comme ça. Mais enfin plus de seaux de lave remplis ou un truc comme ça. Et après tout remonte. Nos seaux remontent ici. Donc, voilà. Et puis après, nos items reviennent ici. Par exemple, là, je vais re-vous montrer. Hop. Sais pas où je l'ai posé. Je vais vous montrer que ça s'aspire hyper vite. Hein. Vous voyez? Et ça grâce à un nouveau bud switch que je ne connaissais pas. Ici, vous avez un comparateur en sortie du dispenser. Ici, une petite poudre de redstone. Avec ici, deux trucs de redstone. Et ici, une torche de redstone et un hopper. Donc la torche de redstone bloque le hopper. Le comparateur sort. Ouais. Fait sortir là-dedans le courant. Et ainsi que ici et ici, ça l'inverse. Bref. Donc voilà. Voilà à peu près tout ce qu'il y avait d'important à vous montrer. Pourquoi j'ai deux blocs? D'accord. Je ne sais pas. Donc voilà. Donc ici on fera cuire je ne sais pas exactement quoi. Donc là j'ai pris un stack de blocs de gold vu que j'en avais. Mais voilà.
Donc là après on va faire le hub, mais avant ça il serait temps qu'on s'attaque un peu à la déco du chemin, parce que vous voyez ici il n'y a pas de vitres, il n'y a rien et ça fait hyper moche. Donc je vais juste regarder le temps parce que c'est vrai que ça fait un bout de temps quand même que moi je suis sur cet épisode, donc faudrait pas que je passe non plus un temps fou dessus. Donc voilà. Donc je vais juste aller regarder ça et puis après si nous reste pas mal de temps, on fera juste la déco nécessaire. Aïe. Ah le con, qu'est-ce que j'ai foutu? Ah, j'ai cassé le système. Du bud. Oui. Ça, c'est comme ça. Non. Bon. Je sais pas ce que j'ai foutu. Mais mon bud ne veut plus. D'accord, donc ici, il devrait y avoir un truc plein déjà. Et là-dedans, ça, c'est plein. Et mon chest, il est comment? D'accord. Là, je ne comprends plus, hein. Excusez-moi, mais là, sincèrement, je ne comprends plus pourquoi ça fait ça. Ce bloc-là, il y était ou pas? Attendez, il y avait bien. Bon, attendez, je vais re-regarder pourquoi ça ne fonctionne pas et je reviens. Le test. Yeah. Oh. Non, franchement, j'ai vraiment eu peur parce que au début, je croyais qu'il y avait plus de. Enfin, que j'avais cassé la machine, mais en fait c'est normal, c'est parce qu'en fait sur cette machine si vous placez trop vite les blocs, enfin les seaux de lave, donc en gros faut tous les placer là et non dans le dispenser, parce que si vous les placez dans le dispenser, ça fait foirer toute la machine et pour la reload, il faut enlever cette torche, enlever tous les buckets avant bien sûr, enlever tous les buckets ici et ici, dans le dispenser et dans les hoppers. Enlever la torche et le comparateur et après vous reposez tout ça et là normalement votre machine est parfaite. Donc on va pas tarder à passer à deux stacks de je sais pas où j'ai vu tous ces blocs, je sais pas. On va pas tarder à passer à deux stacks, donc c'est vrai que ça va faire donc du coup un bon bout de temps qu'on tourne, je viens de le remarquer. Et ce qui est bien avec cette machine, c'est que on va pouvoir l'étendre. Parce que par exemple, si on a plus de lave ici à porter, donc maximum 3 blocs. 1, 2, 3, 4. 4, il me semble. Attendez, j'ai regardé. Je vais vérifier, mais normalement. Oui, voilà. 4. 4 maximum. Et bah, du coup. On peut aller encore plus loin et ça nous fera tout simplement une portée limite, mais vraiment gigantesque. Enfin, cette usine peut marcher pendant des, je sais pas, pendant plus d'un an, 2 ans, en fonctionnant tous les jours, en cuisant tous les jours des blocs, en sachant qu'on cuit pas tous les jours plus de 100 blocs, parce que c'est 100 blocs par un bucket. Donc là par exemple on a pas mal de buckets qui sont prêts. On a deux hoppers donc 10. Ouais donc en gros là on peut déjà se faire plus de 1000 blocs. C'est déjà pas mal. Donc on va arrêter de discuter là-dessus. On va juste aller regarder le temps. Aller chercher de la redonnée de clé, du cyan, cyan j'ai déjà ce nom. Et puis on se retrouve directement après.
Ouais, 9 minutes seulement, donc on va s'occuper un peu. Alors de ce que je viens de dire, des tunnels qu'on va décorer. Par contre, décorer comment, je ne sais pas encore. Ça, c'est un grand mystère. Il y a toujours ce bloc de quartz de l'ancien épisode. On va juste se prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 stacks de hardened clé. Pour se faire 8 stacks de hardened clé scient. Même si je pense qu'il nous en faudra un moins quand même. Enfin, j'espère en tout cas. Yeah! On est blindé. Et on va se prendre ça. On va se prendre une table de craft. Et puis, bah voilà. Donc, maintenant, on va juste. Enfin, je vais juste vous montrer un peu le pattern que j'aimerais faire. Même si. Je pense que c'est celui que je vais faire. Magnifique bug du portail. Waouh! Magnifique. Donc, je vais juste vous montrer un peu ce qu'il me reste en fer. Le temps que je fasse ces usines, en sachant que. Ouais, voilà, il me reste 11, comme à l'épisode dernier. Ouais, un peu plus, il me semble, parce que j'ai quand même fait les 21 hoppers. Ah non, je les avais déjà. Donc, voilà. Donc, je vais juste aller checker ça. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Ouais. Ouais, ça a pas augmenté, on a passé une grande partie du temps dans le Nether. Donc. Alors, comme pattern, j'aimerais bien faire un truc un peu plus. Un peu. Je sais pas trop en fait. J'hésite entre un truc plat comme ça ou un truc avec, par exemple, un bloc là. C'est un bloc là et un bloc là. Donc un truc du style. Attendez, il me faut ma table de craft du coup. Je vais vous montrer, hein. Mais vous me. Enfin, je ne sais pas du tout encore. Hop, un truc. De. Déjà, faut que j'enlève ça là. Voilà. Donc un truc de ce style. Franchement, j'hésite encore, hein. Parce que. Ouais, si, non, ça rend bien. Moi, j'aime pas mal. En tout cas, je vais juste aller chercher de la stone brick. Parce qu'ici, ça va me stresser. Je pense que, ouais. Tout le haut, quand même, je vais le faire en stone brick. Ça rendra un peu plus beau. Donc, je vais m'occuper de ça. Ça va me prendre encore un temps fou. Donc, faut que je m'occupe de ça. Et puis après, je vous montrerai un peu le chemin. Puis bah après, on verra selon le temps qui nous reste. Slab, Dropper. C'est là-bas. C'est trié, j'ai oublié. Hop, on va prendre ça et puis on va se prendre. Bon, allez, hop, max de stuff. Au cas où. Et allez, on va regarder ça, ce que ça donne. Et puis après, ben, on. Enfin, ouais, non, je vais quand même vous montrer ce que ça donne. Ça pourrait être cool. Alors, on va voir. Ta-ta-ta. Comme ceci. Ah ouais, j'aime vraiment. Ouais, donc on va rester sur ce pattern. C'est cool comme ça. Moi, en tout cas, j'aime bien. Après, vous me donnerez votre avis.
Moi personnellement j'aime bien, ça remplace un peu la vitre. Ouais. Voilà. Bon bah allez, je fais tout ça et puis après bah, on se retrouve pour la suite. Allez, à tout de suite. Ah oui, au mieux de couper maintenant. Je viens d'y penser pour le toit, on pourrait mettre de la redonnette clé d'une autre couleur, du style de la redonnette clé blanche. Je ferai le test et si ça rend bien, je garderai. Si ça rend pas si bien que ça, bah, j'enleverai, hein, bien sûr. C'est logique. Mais si ça rend bien, je garderai. Oups, c'est là. Allez. À tout de suite. Stuff. Super. Je viens de mourir à cause des putains de sources de lave posées n'importe où dans le Nether.
Du coup, j'ai pas fait énormément. Du coup, j'ai plus aucun stuff, j'ai plus rien. Donc, je pense que je vais aller me refaire un stuff direction land. Pour ça, faut que j'aille chercher de la bouffe. Donc, là, je vais aller en chercher. Et puis après, on se retrouve directement après dans land pour finir l'épisode sur l'enchantement. Donc, aujourd'hui, il y aura eu pas mal de fails. Hein. Allez, on se retrouve dans l'Inde. Ouais, me revoilà. Donc, du coup, oui, excusez-moi, je suis un peu dans le gaz. Je vais juste baisser ça à 3. Parce que sinon, je vais ramer comme un porc. Donc, du coup, j'ai vu que j'avais déjà du stuff là-dedans. Du coup, on va juste aller renommer mon stuff du style ça, ça. Ça, je sais pas si on va pouvoir le renommer honnêtement. J'espère quand même. Ce serait cool. Donc du coup, on se retrouve dans l'Inde pour se faire quelques arcs et renommer ça et ça. Quand on a l'XP bien sûr. Allez. Ouais, on va renommer. Normalement, ça devrait être bon. On va essayer. Too expensive. 39, je sais pas ce qu'on va mettre. Rent flow shard. La flow shard. Puis bah. Ensuite, on va se faire un arc. Voilà. Et on va enchanter notre book. Enfin, notre. Oh bah. J'ai un book flame 1 que je venais de voir. Donc au final il nous a servi totalement à rien. Power 2. Bon allez, on ajoute Power 2. Et puis on verra par la suite ce que ça peut donner. Maintenant on va juste renommer cette pioche et puis voilà. Donc pour ça 38 niveaux. Allez c'est parti. Rant pic. Non, flow pic. Et voilà. Bon, bah maintenant on va récolter un peu d'XP et puis après on verra ce qu'on va se faire. Allez. Bon, bah on est de retour à la base, mais juste on va s'occuper de notre arc qu'on va mettre power 3 pour l'instant et flow bow. Flowbow qui est fait. Flowbow, flow short, flow picks. Et hop, ça, on va pouvoir le. Bon, fortune 2, ça devrait largement suffire. Bon, 3 minerais de quartz. C'est déjà pas mal. Bon, ben. Moi, je vais quand même aller regarder le temps. Parce que moi, ça fait vraiment un bon bout de temps que je suis sur cet épisode. Qui aura été un peu maudit et plein de fails. Donc je vais aller regarder on a combien de temps et puis ben on se retrouve directement après pour savoir si on se dit au revoir ou si on s'occupe d'autre chose. On va juste aller faire un petit dodo. Et voilà, allez. Bon bah on va se laisser là parce que ça fait une vingtaine de minutes l'épisode, c'est pas trop mal. On va juste tuer ces deux golems ensemble. Puis bah je dois vous avouer que là je suis un peu blasé parce que j'ai passé énormément de temps sur cet épisode. Puis au final j'ai perdu quand même mon stuff. Du coup je suis un peu blasé. Mais bon ça. C'était à moi de faire plus attention. You is dead. Je sais pas si on pourra la réparer notre épée. Il faudrait que je regarde ça juste après. Je vais regarder ça après. Tout est mort. Faut aussi que je MC patch mon pack de texture parce que vous voyez les flammes de loin elles sont moches avec le minimap level. On va juste aller poser ce fer, puis après on va se laisser.
Enfin, on va juste aller regarder quand même si une TP, il y a moyen de la recharger, enfin de la réparer. Notre usine à... Allez. On va aller regarder ça. Du coup, il va nous falloir des diamants. J'espère que non. Non. Bon, bah ça, c'est pas grave. Mais celle-là, par contre, on peut la recharger. Bon, ça, c'est déjà une bonne nouvelle. On pourra recharger notre pioche, mais pas notre épée. Bon, c'est pas très grave l'épée, hein. Mais bon. C'est déjà ça de perdu. Bon, moi les amis, je vais vous dire à la prochaine. Prenez soin de vous. Allez, ciao, bye bye.